Salut les stratèges, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode de Anno 1800. La dernière fois, nous avions vu un petit peu les bases. Nous étions arrivés du coup à l'étape ouvrier. On avait vu toute l'étape fermier. On va aller un petit peu plus loin encore une fois pour continuer à regarder un petit peu les bases. Alors, il se passe plein de choses là, je ne sais pas pourquoi. Ça s'énerve dans tous les sens, mais bon, nous tout va bien, donc on va pas trop. Ah, mais c'est parce qu'il y a le feu! Il y a le feu et donc on aurait pu voir les pompiers agir, mais visiblement ils étaient là à temps. Un petit mot pour vous dire, si vous savez jamais cette série vous plaît et que vous avez vraiment apprécié et que vous appréciez aussi également les autres contenus de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment super important pour moi et surtout à nous rejoindre sur le Discord. On est de plus en plus nombreux à jouer ensemble et en plus de ça, il y a pas mal d'événements dont avec les points de chaîne Twitch quand je fais des lives, il y a pas mal de choses à découvrir, donc vraiment je vous invite à venir vous régaler avec nous. On a donc pu faire notre petite église qui était en projet de construction la dernière fois. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'au niveau du bonheur, du coup, voilà, au niveau de l'église, ça a été fait et voilà, les gens sont très 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 contents. Donc c'est vraiment parfait, on a un start plutôt correct. Alors après on prend notre temps, normalement il faudrait qu'on aille, on va dire, un petit peu plus vite, etc. Mais on n'est pas pressé, nous on est sur une découverte, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il leur faut maintenant. Au niveau des besoins, il leur faudrait du savon. Or pour le savon, il faut refaire des cochons. Alors les cochons, on en avait fait déjà ici, donc on sait un petit peu plus ou moins à quoi ça va ressembler. Donc il faut faire une ligne de 2 comme ça. Et là c'est du 1 pour 1. Donc là il faudra en faire 2 pour pouvoir faire une savonnerie. Ok, d'accord, très bien. Et ben on va refaire ce modèle là, je pense. On va reprendre ce petit modèle qu'on a ici. Pourquoi on le ferait pas là, tiens? Ce serait pas plus mal. Est-ce que... Oui, parce qu'on est quand même plutôt loin au niveau du bois. Donc, on peut se permettre de le faire ici. Ça fonctionnait plutôt bien, ce petit truc-là. On va regarder combien il nous faut de colonnes exactement. Il nous faut... Oh, l'équivalent d'un bâtiment, en fait. Hein, d'écart. Donc, ça veut dire que ça va s'arrêter ici. Hop. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette là et là. Si je ne me trompe pas. Alors, j'aurais peut-être dû tourner le bâtiment... Pas très grave. Voilà, de manière à faire nos petits champs de cochons. Enfin, nos petits champs. On fait pousser des cochons, nous. On est quand même plutôt forts. Hein. Nos petits enclos, pardon, de cochons. On a la fonderie de suif. Du coup, il faudrait en faire 2. Voilà. Et la savonnerie qui va bien, qu'on va faire ici. Voilà, tout simplement. Et pour la savonnerie, il nous faut quoi? Ah, il nous faut de l'acier! Il nous faut de l'acier, on n'a pas du tout fait d'acier encore. Alors l'acier, c'est une étape un petit peu importante du jeu, parce que... on va dire que c'est quelque chose qui coûte très cher. Mais il est juste là, l'acier? Oh bah c'est bien ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qui coûte très cher en termes de production. Donc c'est pas facile. Quand on va le mettre en place, vous allez voir que... Au niveau de nos revenus, ça va descendre, mais en flèche. Alors, on va revenir en fois normale, même en ralentir, voilà, le temps de faire tout ça, parce qu'il va falloir très vite qu'on équilibre à ce niveau-là. Alors, on va faire notre petit chemin, un petit chemin qui vient là, qui va venir ici. Hop, voilà. Alors, comment on fait notre acier? Eh bien, il faut, du coup, les mines de fer que l'on trouve ici. Donc, les mines de fer, vous ne pourrez pas... Les trouver ailleurs que comme ça, hein. Il faut vraiment qu'il y ait un spawn de mine de fer, donc vous êtes limité entre guillemets dans la construction de ceci. Ah non, c'était pas ce bouton là pour tourner le bâtiment. Quel bouton c'est, je ne sais plus. Ah oui, c'est celui là voilà. Ici on a la charbonnière, donc il faut les deux, hein. Il faut les deux, ce qui voudrait dire qu'il nous faudrait, si on suit un petit peu les ressources, il faudrait 15 secondes. Alors attendez, je m'y retrouve. On va reprendre notre exemple du moulin là. Parce que celui-là, c'est celui que... le moulin, c'est plus rapide, donc il en faut qu'un. Ok. Donc ça veut dire qu'il nous faudrait 2 charbonnières, voilà, pour avoir l'équivalent d'une mine de fer, si je me trompe pas. On va essayer de le tourner dans le même sens, c'est pas plus mal.
Ce qui va pouvoir nous donner un fourneau. Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans le bon sens là? Ouais, on va dire que oui. Et ce qui va pouvoir nous donner une aciérie. Et l'aciérie, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui va coûter le plus cher en termes de ressources. En termes de ce que ça va nous coûter là, hein, vous allez voir au niveau du bilan financier, ça va être tout de suite une catastrophe. Et bien sûr, pour faire tout ça, il va nous falloir. Alors, j'avais peut-être dû décaler ça pour pouvoir faire l'entrepôt entre-temps. Je ne sais pas trop. On va regarder. Ou alors, l'entrepôt, on le fera là. Ouais, on va faire ça. Et on va faire un petit bâtiment ici. Une petite route ici, pardon. Alors, pas ça. On va démolir ce qu'on vient de faire ici. Voilà, parfait. Et du coup, on va faire notre petit entrepôt ici, je pense. Alors, si on peut le faire dans le bon sens, ça serait bien. Ça fera plus joli. Voilà, comme ça, on pourra faire notre deuxième mine à côté quand on aura les ressources nécessaires. Allez, ok. On va accélérer un petit peu, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Ah bah non, on a déjà... Attendez, avant d'accélérer, on va améliorer des bâtiments parce qu'on voit qu'on a déjà besoin de d'hommes. Alors, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est rejoindre à notre ville. Parce que sinon, comment ils vont aller travailler, ces gens? C'est plutôt bien que ça soit pas si loin. Hein. Ok, on va accélérer un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des employés. Mais là, il va falloir beaucoup plus de maisons. Alors, j'ai fait une petite erreur. En fait, les zones de charbon, il leur faut, comme le bois, en fait, tout simplement, il leur faut une zone. Il leur faut une zone. Donc, du coup, j'aurais pas dû faire ça comme ça. On va tout de suite reprendre. Voilà, la charbonnière, vous avez vu, elle a un spawn un peu comme comme le bois, en fait, tout simplement. Bah, parce que c'est tout simplement du bois qu'ils vont aller chercher également. Donc, on va le faire plutôt de l'autre côté, de part et d'autre, comme ceci. Voilà. Comme ceci, voilà, pour que ça soit vraiment productif. Voilà, elle est à 90%, celle-là, elle est à 100%. Et ça, on va hélisser comme ça ici. Alors peut-être qu'on devrait du coup démolir ça. On va peut-être plutôt démolir ça et faire notre entrepôt entre les deux. De manière à ce que au niveau du chemin, ça soit un petit peu mieux. On va faire l'entrepôt ici. Ce qui va nous permettre du coup de démolir ce qu'on a là. Et là, voilà, normalement, ça devrait aller mieux. On devrait être à 100% de capacité de production. Et ça devrait quand même être beaucoup plus sympa. On va juste, le temps qu'on ait les briques là qui vont arriver, on va anticiper, on va faire des maisons. Parce que vous allez voir que, comme je vous ai dit juste avant, ça va demander énormément d'ouvriers. Et donc, il va falloir remplacer du coup nos fermiers. Donc, on va anticiper tout ça. Et puis là, de toute façon, en plus, on est en Voyez négatif. Donc. la magnanimité. Oui, bah 2 secondes, hein. Je sais pas ce qu'il nous veut, lui. Il parle un peu trop, hein, les personnages. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, vous proposez une caisse de destruction. Je vais rien détruire. Voilà, allez hop, mode architecture, c'est fait. Regardez, 190, il nous manque déjà. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu. Donc, on va essayer d'améliorer vite tout ça. Hop, hop, hop. On va améliorer ici aussi. Il va falloir aller très très rapidement. On n'a plus assez de bois. On n'a plus assez de maisons. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va augmenter un petit peu la capacité. Alors, c'est pas là que je voulais faire. Mince. Alors, ça, c'est pénible parce qu'une fois qu'on a appuyé sur le clic gauche. Alors, ça, j'ai pas trouvé encore le Il nous manque une système. marchandise essentielle impossible à produire sur notre île. Tu vas devoir trouver De quoi nous parle? le Ah, du houblon. Oui, je sais, le houblon, mais on a trouvé l'île, normalement. Donc, ça devrait le faire. Voilà, et on nous dit effectivement qu'il nous manque du houblon et que le houblon, on en a besoin pour pouvoir aller plus loin. Donc, il nous faudrait du houblon. Donc, il va falloir qu'on aille, du coup, fermer une autre île. Mais pour ça, on avait besoin de l'acier parce que on a perdu toutes nos ressources la dernière fois avec ces histoires de pirates, là, qu'on n'a pas surveillé notre bateau. Donc il va falloir que l'on reprenne les ressources nécessaires. Et je ne sais plus exactement ce qu'il nous faut d'ailleurs. Donc il faudra qu'on regarde. Je crois qu'il nous faut de l'acier, il nous faut du bois. Il y a une dernière ressource qu'il nous faut, mais je ne sais plus laquelle. Il faudra qu'on regarde. Ok, on est repassé en positif ici. Et on est repassé en bien en positif ici aussi. Donc
Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt bien. Donc ça y est, on va produire de l'acier normalement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une des ressources qui est là, comme les briques par exemple. Je trouve que c'est pas très parlant. On va mettre du coup maintenant l'acier. Et du coup, ça va nous permettre de pouvoir et bah, terminer ce qu'on avait à terminer ici. Voilà. Donc on va pouvoir voilà, continuer à construire nos fonderies, notre savonnerie et tout ce qui va avec, ce qui va nous permettre d'être bien. Et au niveau des ouvriers, on va regarder ce qui nous manque, mais normalement, il ne nous manquera pas grand-chose. Il nous manque l'école. Mais pour ça, il faut un petit peu plus d'ouvriers qui vont arriver. Hein, parce que de toute façon, quand on aura fini la savonnerie, on va passer à 18 ici. Et ça sera nickel. Donc on va attendre un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va attendre qu'on ait les 4 dessus là, qui vont arriver. On a du coup nos 4 d'acier. On va pouvoir faire notre fonderie. Notre savonnerie, pardon, excusez-moi. Notre savonnerie, donc il nous en faut qu'une hein, normalement. Si on en suit notre petite logique. Pour pouvoir être à 100% au niveau de la production. Alors attention parce que du coup voilà, on a nos ouvriers qui sont en deçà. Donc on va continuer à améliorer nos petites maisons. Et normalement on devrait pas être trop mal. Alors déjà on est en bilan financier vraiment positif. Donc on est vraiment sur un start vraiment sympa. Et ça va nous débloquer l'école. Ça nous a débloqué l'école. Il va nous falloir 25 de briques et 20 d'acier. Donc ça va arriver. Petit à petit, on va surveiller un petit peu les besoins. Ça, c'est quelque chose qui est très important de bien penser à surveiller les besoins primaires parce que plus vous faites de maisons et plus vous pouvez avoir un souci, que ce soit au niveau du marché, que ce soit. Regardez, déjà là, le marché, on commence à être un petit peu loin pour certaines maisons. Donc, ça pourrait être intéressant de refaire un marché dans le coin, je pense. On va en refaire un pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. On va refaire un petit marché ici. Voilà. Normalement, ça devrait remonter la zone à 100%, voilà, et du coup, nous permettre de repasser à 10 au niveau des habitations. Donc, faut bien surveiller tout ça. On a la savonnerie qui est en route et vous pouvez le voir, ça y est, ça commence à arriver. Donc, c'est parfait et on va pouvoir faire du coup notre école. Notre école, il nous faut pas mal de ressources. Alors, notre école, on pourrait la faire. Il faudrait qu'on en fasse deux, je pense, même si on va privilégier. On va dire ce côté-là. Parce qu'on a beaucoup de. On a tout simplement beaucoup de maisons. Donc on va privilégier ici. On va le faire. On va la faire là. Peut-être là. Je ne sais pas trop. En fait. Ouais. Ouais, il faudrait qu'on en fasse une là, à la limite. Le problème, c'est qu'on aurait des bâtiments qui seraient pas trop touché. Alors une là, une là-bas. Ouais, on va faire ça. On va faire une là et on va anticiper. On va en faire une ici aussi également. Voilà. C'est un bâtiment qui va pas nous coûter trop cher d'entretien. 50. On est à plus 500. Donc là, financièrement, on commence vraiment à être très très bien à ce niveau-là. Alors moi, ce que je voudrais regarder, on va aller au proche de notre île là où on avait notre houblon. C'était laquelle? Il me semble que c'était celle-là là-bas. Voilà, c'était celle-là. Il faudrait qu'on aille proche de l'île. Normalement, si on va au bord de la plage, il va nous proposer de construire notre comptoir. Et il devrait nous dire un petit peu les ressources qu'on a besoin. Ça va être très important, du coup, pour la suite. Parce que, du coup, bah, comme je vous ai expliqué, les ressources des îles sont limitées. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et comme je vous ai expliqué aussi, du coup, on va être bloqué au niveau de la bière. Parce qu'il faut qu'on produise du houblon. Et le houblon, on n'en a pas sur notre île principale. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu tout ça. On va regarder un petit peu les ressources qu'on a besoin avec notre bateau. Et ensuite, on va faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut et de pouvoir construire nos écoles. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose là? Voilà. C'est ça que je cherchais. Alors, il nous faut 10 de bois, 8 d'acier et de la thune en fait, c'est tout. 10 de bois et 8 d'acier. Ok, très bien. Et bah allez, c'est parti, on va aller chercher tout ça. Et en attendant, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir construire nos écoles. On va reprendre tout de suite, même si on n'a pas encore eu le temps de tout faire. J'ai pu faire ma première école, j'ai pas encore les ressources, mais j'étais en train de regarder un petit peu et on voit, regardez, on est en chute d'eau de vie et on est en chute de vêtements de travail, ce qui veut dire qu'on va arriver à zéro. Il faut vite qu'on agisse avant que ça soit trop tard. Donc on va tout de suite reprendre un petit peu à ce niveau-là. Alors notre vie c'était en production ici, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer un petit peu dans le coin, je pense.
Donc ici, ça me paraît bien. Voilà, on va faire notre petit champ comme on l'a fait. Alors, j'aurais dû faire la même chose en fait. Donc on va démolir ça. Voilà. On va rester en foie normal là parce que du coup, ça réduit à tour de bras. Ça réduit très très rapidement plutôt. À tour de bras, ça veut rien dire. Hop. Alors, on va faire notre petit chemin comme ceci. On va faire la même chose qu'on a fait là-bas. Hein. On va faire ça. Alors, c'est pas ouf parce qu'ici, on avait du bois. Mais c'est pas grave, tant pis. Exploitation de pommes de terre. Exploitation de pommes de terre. Voilà. Et on va faire nos petits champs qui vont bien. Alors, à la limite, nos petits champs, si on peut les faire passer par derrière. Voilà. Hop. Si on fait ça... ça devrait être pas mal, c'est bon. Et on va faire la même chose ici. Alors ici on a moins de, on a moins d'espace. Alors voilà, on va faire en sorte de pas trop s'étendre là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On doit avoir un feu quelque part. Je suis quelqu'un d'heureux et vous êtes quelqu'un. Merci. On doit avoir un feu quelque part. Alors autre chose que j'avais remarqué aussi, je sais pas où il est le feu. Alors on n'a pas vraiment d'alerte là. Ah si, il est là. Mais il y a les pompiers qui vont arriver normalement. Autre chose que j'avais remarqué aussi, regardez, au niveau des pompiers, c'est vrai, on a une bonne couverture dans tout ce périmètre-là. Par contre, si on a un souci ici, il n'y a personne. Donc on va faire une caserne tout de suite dans le coin. Parce que ça peut être catastrophique. Donc on va faire une petite caserne ici, voilà, comme ceci. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Il y a un truc qui manque. Oui, il manque des pommes de terre. Mais ça va arriver, les pommes de terre, calmons-nous. Les pommes de terre vont arriver, ce qui va nous permettre du coup de pouvoir refaire de l'eau de vie. Donc le but, hein, je rappelle, c'est que les ressources repassent au positif ici. Et on a les vêtements de travail aussi également qui ont un problème. Enfin, qui ont un problème. On s'entend quand on dit un problème. Alors, comme on avait fait les vêtements de travail, vous voyez, comme ça, c'était pas trop mal, moi, je trouve. Donc je pense qu'on va reprendre un petit peu ce cheminement-là. Où est-ce qu'on pourrait se mettre pour faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va peut-être refaire un chemin qui va partir là pour... Alors, hop. S'il veut bien... Non, il veut pas. Je ne veux pas construire ici. Merci. Voilà. Rien n'oblige à commercer. C'est juste au cas. Ouais, si tu veux. Tous profiter de nos larges. On peut faire des accords commerciaux, ça me va. Alors, du coup, les vêtements, on avait fait ça. Comme ça. C'est plutôt astucieux. On a la place de pouvoir mettre un champ comme ça, donc c'est la taille d'une maison. Du coup, enfin la taille d'un truc de production. Donc du coup, si on fait ça comme ça, c'est tout. Hein, bah, il en faut 3, parfait. On va faire la même chose ici. Hop. Ah punaise. Bon, c'en est où ce feu là? Ils arrivent à s'en sortir ou pas les pompiers là? Je sais pas. J'espère, hein, parce que... Donc ça c'est bon. Et ensuite on va faire du coup deux trucs de vêtements. C'est ça, hein, il nous en faut 2. Ouais, c'est ça. Il nous en faut 2. Parfait. Ok, comme ça normalement ça devrait régler un petit peu les soucis. À ce niveau-là, par contre, attention, on n'a plus du tout assez de paysans. Donc on va refaire, enfin des fermiers, hein, des paysans, n'importe. On va refaire des maisons. Alors c'est un petit peu des cercles vicieux parce que ce qu'on a produit là, du coup, va nous servir aussi pour les fermiers qu'on vient de mettre en place, etc. Mais... Qu'est-ce qu'il a? Ah, le journal. Alors, oula, la ville s'est enlaidie ou départ de feu. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, quand même. C'est pas exagéré non plus. Voilà. Donc, on a fait un petit peu de propagande, hein, vous avez vu, on a remplacé une carte qui était négative. Alors, bon, le feu, là. Sinon, d'un moment... Comment ça se passe? Alors, au niveau du poisson, est-ce qu'on a les ressources qui descendent également? L'incendie. Échappe à tout. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Par contre, on n'a toujours pas assez de fermiers, visiblement. C'est toujours un petit peu le problème, là. Ah, pourquoi c'est aussi compliqué, là? On va refaire peut-être une caserne dans le coin, ici, peut-être.
Parce que ça a l'air compliqué. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà. Comme des coques en pâte. Ok. Normalement, ils vont avoir tous les besoins nécessaires. D'accord. Bon, on en est où, là? On est pas mal. On a une agricole ici qui sera prête à construire. Il faudra un petit peu plus d'acier. Ah, carrément. Ça les a détruits. Ainsi dans la proximité. Bah, il nous fallait au moins une deuxième caserne en renfort, visiblement. Voilà. C'est mieux. Parfait. Ça a été géré. Oui, ça a fait des ravages. On est toujours en positif, ça c'est nickel. Alors, est-ce qu'on regagne des ressources du coup maintenant? On va vérifier ça. Ah, il nous faut un entrepôt ici. Alors, si on n'a pas d'entrepôt, ça va pas fonctionner. On va faire un entrepôt entre les deux. Voilà, comme ceci. Et normalement, ça devrait rouler. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des ressources. Est-ce qu'on repasse en positif? Pour l'instant, on en perd, j'ai l'impression, encore. Alors, est-ce que c'est aussi pas le temps que... Pas le temps que ça se remette en route? Là, regardez, c'est en train de remonter. On dirait l'eau de vie. Les vêtements, ça a l'air de remonter aussi tout doucement. Mais voilà, c'est pas rapide, hein. Donc, il fallait au moins faire ce qu'on a fait, hein. On va voir un petit peu comment ça va se comporter. Notre école, elle est prête. Voilà. Donc ça va être bien pour les ouvriers. Ils vont être très heureux. Du coup, on est au besoin maximum avec nos ouvriers. Au niveau du bonheur, il nous faut des bières. Mais pour faire des bières, eh bien, il nous faut la deuxième île. Donc on va prendre les ressources nécessaires pour aller la construire, tout simplement. Pourquoi est-ce que... Ça y est, on est arrivé. Alors, petite particularité, je me suis un petit peu trompé. J'avais pris du bois simple, mais c'est des planches, hein, qu'il faut prendre. Donc, c'est pas ce bois-là, hein, c'est bien des planches. Donc, on est arrivé. Regardez, on peut construire notre entrepôt. Voilà, on va se remettre en x1. Et voilà, et on se retrouve du coup avec la même chose qu'au début, que ce qu'on avait sur la première île. Donc, il va falloir que l'on fasse un petit peu de construction pour pouvoir se mettre bien. Mais avant toute chose, on va construire notre route commerciale qui va nous permettre de pouvoir naviguer entre les deux. Donc vous avez l'option créer une route, vous avez les routes commerciales qui sont là et vous avez les routes d'affrètement. Alors pour pouvoir faire, il me semble, les routes d'affrètement, il me semble qu'il faut des bateaux en plus. Je ne sais plus, enfin il y en a un des deux. Voilà, c'est celui-là, il faut faire une route commerciale, il faut des bateaux, donc il faut faire une route d'affrètement. Non, c'est pas ça non plus. Ah, on peut gérer un petit peu les ressources, port d'enlèvement et port de destination. Donc ça nous permettrait de pouvoir créer du bois, port de destination. Si on met ça, hop, fixer une quantité. Alors sélectionner un port dans la liste de droite, ça c'est fait. Alors où est-ce qu'on la fixe notre quantité? Je ne sais pas. Alors attendez, on va réessayer. C'est les planches, nous, qu'on veut plutôt. Sélectionner un port dans la liste de droite. Voilà. Ah oui, alors attendez, je me suis trompé du coup. Faut créer une route. Route d'affrètement. Alors là, on est dans la découverte un peu, hein. Hop, voilà. Sélectionner la quantité. Si on met, je ne sais pas, moi, peut-être 15 pour commencer. Alors ça, est-ce que ça va être tout le temps ou est-ce que ça va être juste une seule fois? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que c'est ce bateau-là qui est parti et qui m'a fait ça ou pas? Ça ne suffit pas toujours de bien mener sa barque. Je ne sais pas. On va voir un petit peu si ça fonctionne. Est-ce qu'on va recevoir nos planches ici? De nouveaux ordres? On va voir ça. On va accélérer un petit peu, voir si ça fonctionne. Alors ça fonctionne bien, regardez, on a notre petit trait là qui vient de se faire avec notre petite gelette qui est là. Donc ça, ça va nous permettre de pouvoir ramener du bois ici assez régulièrement. Donc ça, c'est parfait, ça va nous éviter de devoir reconstruire certaines ressources. Et on a déjà notre système pour pouvoir faire ramener notre houblon ensuite. Donc ça, c'est génial. Alors par contre, il y a des choses assez simples qu'on va pouvoir faire. Alors on va regarder, oh, que du bonheur au niveau des journaux. Bien sûr qu'on publie tout ça, c'est que du bonheur. Donc on va construire tout de suite notre marché. Première chose à faire, évidemment, vous le savez, c'est faire le marché. Alors on va peut-être pas le faire dans ce sens-là, ou alors si on va le faire ici.
Voilà, on va le faire là. Ce sera très bien. Et on va construire nos premières petites maisons en face. Voilà, comme ça. Et comme ça. Ce sera parfait. Donc là, c'est pareil. Hein. Il va nous falloir... Ah mince, on s'est trompé. Super. On s'est trompé complètement. Hop, on détruit tout ça. Allez, hop, 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 hop. Alors là, on récupère que la moitié de nos ressources parce qu'on n'est pas en... On est en difficulté avancée. Si on était un débutant, vous auriez récupéré l'intégralité de vos ressources. Voilà, ça c'est bon à savoir. Et normalement, voilà, on devrait avoir notre bateau là qui fait des petits allers-retours sans arrêt. Donc c'est nickel. Alors il y a des guerres qui se font, mais bon, nous ça ne nous concerne pas. Le poisson, je pense qu'on peut le faire tout de suite. Ça, il n'y a pas besoin de l'importer. Le bois, voilà, je tenais à le faire venir parce que on a beaucoup trop de bois ici. On voit d'ailleurs que on peut augmenter la charge parce que le temps qu'ils reviennent, on est quand même assez large. Donc on va passer à 30, je pense. Voilà. Ça nous coûte quand même du pognon hein, de faire ça. Hein. Ça nous coûte 50 pièces. Mais bon, c'est pas très grave par rapport à ce que ça devrait nous rapporter. C'est quand même assez utile. Donc le poisson, ça va être bon. On va s'occuper des vêtements aussi. Je pense que par contre, les vêtements... On va les produire parce qu'on a déjà du mal à les produire sur notre première île. Donc il va falloir que l'on fasse un petit peu des vêtements. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on fera peut-être des îles qui sont spécialisées dans un type de vêtements. Et dans un type... plusieurs îles qui fassent un petit peu voilà, la production par exemple d'alcool, eau de vie qui descend vite, tout ça. Allez, on va essayer de mettre en place un petit peu tout ça. Alors voilà, on a pratiquement tout ce qu'il faut sur notre petite île là. On va faire notre petit pub, voilà, pour qu'ils aient du bonheur. Il va nous manquer quoi? Il va nous manquer de l'eau de vie. Donc l'eau de vie, il va falloir qu'on le fasse importer également. Le problème, le souci entre guillemets, c'est que déjà, on a déjà des pénuries d'eau de vie ici. Il faudrait vraiment qu'on fasse, je pense, un coin juste pour ça parce que c'est vraiment, vraiment très compliqué. Alors est-ce qu'on peut faire des ponts? Oui, parfait, on peut faire des ponts. Moi, il faudrait qu'on trouve vraiment un système où on est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir faire tout ça. C'est celui où il nous faut des champs en plus de 72, donc ça prend énormément de place. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire 4, je pense. On va en faire 4, on va faire un petit truc qui va aller ici et on va les faire là, je pense. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de faire ça là. On va essayer de faire ça proprement pour pouvoir ramener de l'eau de vie sur notre deuxième île. Niveau argent, il faut qu'on fasse attention parce qu'on n'est pas, extraordinaire. Hein. On n'a pas des ressources incroyables. Donc il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Là, on commence un petit peu à être à court d'argent. Donc il ne faut pas qu'on produise n'importe comment. Allez, on va s'occuper de faire ça. Alors il nous faut dans l'idéal 4 champs. Donc on va faire 1. 2 ouais c'est ça, 3 et 4. On va faire notre petite route qui va bien. Hop, on va rester en x1. On va faire nos petits champs ici. Voilà. Un petit champ ici. Hop, un petit champ là. Donc dans le même esprit, si possible. Est-ce que j'ai assez là? Ah oui, non, il me manque des champs, hein, c'est ce qui me semblait. Un autre là, un autre. Alors c'est dommage que ça fasse pas en sorte qu'on ait un vrai carré, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est comme ça. On a fait nos... Qu'est-ce qu'il nous fait là? T'as encore besoin? Qu'est-ce que... Et là, il nous en manque un encore. Ah, il faut qu'on publie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait publier? Tout ça? Eh ben, c'est très bien, ça. Voilà. Pas de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles. Tout va bien. Hop, on va faire du coup la même chose ici. Alors, si on pouvait, voilà, commencer là, ça serait pas mal. Voilà. Bon, c'est un peu n'importe quoi, là. C'est pas très grave. Et on va faire, du coup, nos distilleries. Donc, il nous en faut 4, du coup. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça.
Du coup, forcément, il va nous falloir des habitations, évidemment. On est un petit peu voilà, à la bourre là-dessus. Donc, on va refaire des maisons. Hop, ici, normalement, on peut en faire ouais, une ou deux. Ici, on va pouvoir en faire deux. Et derrière aussi, également. Comme ceci. Ici, on va continuer parce que normalement, on a tout ce qu'il faut dans le coin. Alors là où ça peut poser problème, c'est peut-être les vêtements, peut-être. Voilà. Hop. On est bien. On est bien. On va refaire également des habitations ici. Mais attention, parce que voilà, on est en train de se rapprocher un petit peu par là. Donc là, on va s'arrêter à ce niveau-là. Ici, c'est pareil. On va faire là. Et après, on va s'arrêter aussi. Voilà, comme ça, ce sera très bien. Hop. Et là, ouais, on va faire... Alors, je voulais pas spécialement de route, là. Voilà. Hop, voilà. Ok, alors, on est passé en négatif. Est-ce qu'on a assez d'habitations? J'ai pas l'impression. Ah, il nous manque de l'eau de vie, mais ça va arriver. Pas de panique. Pas de panique à bord. Hop, ça devrait se mettre en route. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être améliorer un petit peu des maisons pour regagner un petit peu plus de, on va dire, d'impôts. Promotion indisponible. Pourquoi? Pourquoi il me laisse pas faire? Ah, parce qu'il me manquait du bois. Ok, ok. On ramène peut-être un peu trop de bois là. Ou alors non, c'est parce qu'on a construit beaucoup de maisons. C'est pour ça. Pas de panique. Ok, on est repassé en positif. C'est nickel. On va repasser en positif ici. On va faire une nouvelle route commerciale. Le but, voilà, c'était de mettre de l'eau de vie également ici. Eau de vie, voilà, port d'enlèvement ici, port de destination ici. Et ce qui serait bien, ce serait de commencer par 20. 20, on va voir un petit peu si ça suffit. On verra. Donc voilà, ça nous coûte encore 50 pièces de faire une nouvelle route d'affrètement. Mais on n'a pas vraiment le choix. On va continuer à améliorer un peu les maisons. Voilà, on est repassé en positif, donc c'est nickel. Faut juste qu'on fasse attention qu'on n'ait pas une descente des vêtements. Donc il faudra qu'on surveille un petit peu à ce niveau-là, parce que là on a fait quand même encore beaucoup de maisons. Et il va falloir qu'on en fasse encore énormément, parce que regardez, on manque réellement de manœuvres. Voilà. Et bien écoutez, on va s'arrêter là les amis, je pense, pour cette vidéo. Ça aura été vraiment productif. On aura du coup pu faire notre deuxième île. On aura pu faire nos routes d'affrètement. Donc on a pu, voilà, lier un petit peu les deux îles comme ça. Donc ça nous permet du coup de pouvoir pas avoir de dépendance et pouvoir justement naviguer au niveau des ressources. Si le contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker encore une fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye tout le monde.